cette ligne d'arrivée, Hamza Yassine a signé la première victoire d'étape de l'Algérie sur ce Tour du Faso. Et c'est la première fois également que l'Algérie va vêtir le maillot jaune au Tour du Faso. Pour la sixième étape, elle a été courue entre Nagrengo et Tenkodogo, longue de 153,300 km. Et le peloton est allé vite comme à son habitude, 47,522 km/h. Pour ce Tour, les victimes de chute d'hier, en l'occurrence les Burkinabés Souleymane Kone et Mathias Sorgho, ont pu reprendre le vélo, ont pédalé, ont mené la course. Et même que Souleymane Kone a remporté le premier point chaud à Moktedo, puis s'est retrouvé dans le peloton. L'objectif des Burkinabés était clair, grappiller des secondes, remporter l'étape, pourquoi pas prendre le maillot jaune. Cela n'a pas pu se faire, mais les Burkinabés ont pu grappiller en tout cas des secondes. L'Algérien qui était en maillot rose des sprints intermédiaires depuis le début a pu enfin vêtir la tunique jaune. Il faut dire que c'est la quatrième fois que le maillot jaune change d'épaule. Premièrement, il a été la propriété de Wouters Rutger. Ensuite, El Kouraji Mohsine l'a porté, puis Wouters l'a encore récupéré pour qu'il se retrouve maintenant sur les épaules de Yassine Hamza, l'Algérien. Hamza Yassine, c'est un goleador avec ses jambes de feu et son regard pétillant du maillot vert. Les applaudissements du public de Tenkodogo ont fait du bruit pour l'Algérien. Yassine Hamza. Voilà, Castel. Oui, c'était la course difficile, la plus longue de le tour. La dernière du tour le plus long. Et ça a été aujourd'hui une victoire. Pour moi, c'était une belle victoire et surtout un travail d'équipe au début ou la fin de course. On a fait toute notre stratégie. Le staff m'a fait confiance. Et l'entraîneur m'a fait confiance. Ils ont tous fait confiance pour cette victoire et surtout pour ramener le maillot jaune. Inch'Allah, on va ramener à l'Algérie le maillot jaune. Hein. Mais on a essayé de gérer à la dernière minute, on n'a pas pu. Mais maximum à notre place là, c'est remporter l'étape d'aujourd'hui. À l'arrivée, il y a eu un petit gênance, donc j'ai essayé de sortir à droite. Quand je suis sorti à droite, là, il y a eu un bousculage à droite maintenant, donc j'ai essayé de y un petit bout de pédale, donc à gauche, et le Marocain s'est sorti à la dernière minute. Dès que je suis parti pour le suivi, donc il est déjà presque à l'arrivée, donc j'ai suivi. Deuxièmement, donc vraiment, ce que moi je pense, c'est pas deuxième place à mon niveau, c'est gagner l'étape. Mais la chute, c'était trop coincé. On ne veut pas éviter parce que c'est normal. C'était déjà arrivé l'arrivée, et maintenant il y a eu une dodane avant l'arrivée. Et quand on montait dans dodane, il y a des gens qui se regardent en haut. Plus en bas. Bon, quand les gars regardaient en haut, c'était un larisien marocain. Et quand il a monté, le vélo derrière l'a sauté. Et quand c'est sauté aussi, chaîne l'a sorti. Maintenant, ça l'a soulevé. Il est tombé jusqu'au niveau de gauche. Maintenant, comme on était au niveau de gauche, on ne veut pas éviter. Et on s'est serré jusqu'à descendre carrément des guidons. Au fait, avec les gravions, tu ne peux pas le flairer là-bas. Tu es obligé, tu vas tomber. Et on s'est protégé jusqu'à bon. C'est qu'on a eu si la blessure, c'était au niveau des yeux. Mais ça va. C'est qu'on va rester à motiver, faire de mieux des pays. Avec l'encouragement de moi-même et avec le peuple même, avec niveau de l'encadrement, avec les anciens de cyclisme, en tout cas, je reste à motiver. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va passer après, mais nous, on compte sur maillot jaune pour pouvoir faire honorer le pays. Voilà. Nous arrivons à Tenkodogo aujourd'hui et le Burkina Faso a occupé la deuxième place. Voilà, nous avons voulu gagner la victoire, mais la chance a souri aux Algériens. Non, mais il faut savoir aussi que les Burkinabés n'ont pas démérité. Parce que quand vous regardez tout au long de l'étape, on a vraiment combattu. Et notre stratégie vraiment c'était de placer un des favoris devant. Voilà, donc il y a Kone Souleymane qui a pu se glisser dans l'échappée. Et l'échappée même a eu jusqu'à 2 minutes 35.
Donc le Burkina déjà était maillot jaune virtuel. Donc notre souhait maintenant derrière, c'était de prier que ça arrive. Mais malheureusement, les Belges ont mis le train en marche et ils ont été soutenus par le Maroc. Sinon, ça allait être difficile de les rattraper. Voilà. Mais on les a repris au 25e kilomètre de l'arrivée. Et à l'arrivée finale, comme on dit, la chance est sourire à l'Algérie. Voilà, vraiment félicitations à eux. Mais sachez aussi que le Burkina Faso n'a pas démérité. Demain, en principe, c'est la 7e étape et il s'agit de la course contre la montre par équipe. 33 km attendent les équipes entre Koupéla et Zorgo. Et sur cette étape, le DTN Martin Sawargo nous en dit plus. La course contre la montre, il n'y a pas deux manières. C'est une épreuve de chrono. Chrono, c'est aller vite. Et c'est le troisième coureur qu'on prend. Donc, c'est pour dire que nous avons fait des entraînements à ce sujet et que les coureurs même et sont conscients que demain, on ne peut pas dormir. C'est lancer, et voilà, pour encore grainer beaucoup de temps. Voilà, donc à ce niveau-là, on ne discute même pas. Ça, c'est course contre la montre, c'est le chrono, et nous sommes prêts pour l'aborder. Le Tour du Faso 2021 coïncide avec le premier tour cycliste international féminin. Pour Tinkodogo, les filles étaient à la troisième étape et c'est Awa Babogo qui va s'adjuger sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant, les Burkinabés tiennent haut le crachoir. Le Burkina Faso continue de dicter sa loi sur ce premier tour cycliste international féminin organisé à la faveur du 33e Tour du Faso. La troisième étape court sur un critérium de 10 km à parcourir 5 fois, c'est la championne nationale burkinabé, Awa Bamogo, qui est vainqueur. Les 16 coureuses du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la Guinée ont pris le départ à Tinkodogo devant un public averti. Elles vont rouler ensemble, seulement sur deux tours, avant cette échappée de 7 coureuses, dont Awa Bamogo et Raymond Kwasi. L'Ivoirienne sera victime d'une chute et laisse filer, malgré elle, le reste de l'échappée. Awa Bamogo va sortir la tête pour franchir seule la ligne. Je suis vraiment content, très bien même. Il n'y a même pas de différence entre nous. Oui, c'est les Ivoiriens là, mais elle a tombé mal même. J'ai fait attaque et puis elle a répondu et puis je vais attaquer encore et puis elle a pris mon roue là et puis elle a tombé mal même. Ah, je pense que le course là c'est pas facile mais tu peux pas dire que tu es moyen. Même si tu es moyen même là, faut pas dire, le vélo peut être panne même. Comme ça, ton force là ça peut même pas aller. Les 50 km ont été parcourus en 1h34 minutes 9 secondes, soit une vitesse moyenne de 31,860 km/h. Depuis le début de cette course féminine à Bobo-Dioulasso, on note une amélioration de performance. C'était une très belle course et les coureuses étaient décidées vraiment à faire les meilleures performances et nous pensons que ça a été fait et nous classons cette compétition parmi la meilleure de toutes les trois compétitions que nous avons vu passer. Il reste l'étape de Ouagadougou pour boucler cette course féminine. Au classement général, Hulda Zongo est première. Elle est à égalité de points avec Awa Bamogo qu'elle dévance autant et Lamoussa Zungrana complète le podium 100% burkinabé.